Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir une nouveauté qui nous a été transmise par notre partenaire ASP, Airsoft Pioneer Limited, avec lesquels nous avons un partenariat exclusif. Cette réplique, c'est la SVU AS 1012 AEG Bullpup Soul. Compte tenu de la non-connaissance de la société ASP par la majorité des joueurs français, nous allons vous présenter cette société. La société ASP Airsoft Pioneer Limited est un acteur majeur sur le marché Airsoft depuis 2008. Ils ont de nombreux clients en réseau professionnel en Europe tels que AEG et Cybergun pour lesquels ils repackent des répliques d'Airsoft sous licence officielle avec les emballages des grands distributeurs. Ils sont également présents auprès des principaux grossistes professionnels comme en Pologne, au Royaume-Uni, en Italie, en République Tchèque. ASP a aussi développé son activité aux États-Unis avec AVAC par exemple, et en Asie ça sera UFC et Gunsmith Baton. ASP est installé à Hong Kong depuis 2012, ils ont leur bureau et leur showroom ainsi que leur pôle recherche et développement. Ils ont leur propre ligne de répliques d'Airsoft tels que le Sniper Bullpup AEG SVU estampillé avec leur logo Soul et projettent de sortir prochainement une M4 avec quelques idées novatrices à découvrir prochainement. ASP est aussi l'agent général Jingjong Works partout dans le monde et propose aux professionnels toute la gamme de répliques Jingjong qui est très large et a fait ses preuves auprès des joueurs. Afin de compléter leur offre et grâce à leur expérience et leur connaissance des principaux grands fabricants chinois, ASP distribue un grand nombre de marques connues comme Sima, AN4, D-Boy, Army Armament, Snow Wolf, Galaxy, Well, Double Eagle, AGM, Golden Eagle et Estocry. Il travaille aussi sur une nouvelle ligne d'accessoires exclusifs Airsoft dédiés aux joueurs afin d'améliorer l'aspect tactique et pratique en jeu. Les professionnels apprécieront l'ouverture d'un bureau ASP en France du côté de Bordeaux avec une équipe motivée pour développer la marque Airsoft Pioneer Limited et ainsi vous permettre de trouver leur modèle auprès de vos magasins et boutiques préférées françaises. L'Europe sera également suivie depuis l'antenne française afin de communiquer plus facilement. Passons dès maintenant à ce package ASP. Cette réplique est bien maintenue dans son logement. Un mag iCap 120 billes, une tige de nettoyage, un outil de réglage de visée, une batterie NIM 8,4V 1200 mAh et son chargeur avec voyant de charge, un médaillon Soul avec un modèle réduit du SVU et son manuel d'utilisation. Nous attendions avec impatience cette réplique peu commune et encore très peu vue sur les terrains mais qui devrait ravir les russophiles par son design et son ergonomie. La SVU donne tout son sens sur son gabarit réduit et son design bullpup pour en faire une réplique sniper tout en gardant une utilisation en réplique d'assaut. Elle permettra des déplacements rapides sur les terrains que ce soit en forêt comme en CQB. Le gros avantage de cette réplique c'est la longueur de son canon interne identique voire même plus élevée que certains modèles SVD du marché mais avec un corps beaucoup plus court qui lui permet d'avoir des performances de tir élevées. Cette réplique est quasi full métal à l'exception du garde-main. La crosse et la poignée sont en polymère. Cette réplique pèse 4 kg pour 920 mm. Découvrons l'extérieur plus en détail. Elle est donc composée d'un compensateur métal monté en filetage 14 mm anti-horaire pour monter tous vos accessoires compatibles, dont un silencieux, ce qui sera agréable pour les joueurs souhaitant customiser leur réplique. Deux organes de visée en métal rabattable réglable dont la front sight avec l'outil fourni dans le package. Son canon externe métal recevant son gardement en polymère permettant d'y loger la batterie de type bâton sur une fiche Tamiya Mini. Son bipied rabattable et pivotant permettant d'être stable à chaque tir donne confiance sur sa solidité et sera logeable sous le garde-main grâce à son loquet de verrouillage.
Un corps bloc détente métal ressemble au rail de type SVD AK pour le montage de vos organes de visée de type PSOP ou bien d'un adaptateur Picatinny ainsi que sa poignée en polymère légèrement granuleuse. Puis le corps principal et son couvre-culasse en métal de très bonne qualité, recevant les éléments habituels comme le sélecteur de tir permettant du semi et du full. Mais attention, les positions sont inversées, la position safe tire également au semi. La sûreté se trouvera directement sur le bloc détente. Puis le bouton d'éjection chargeur, sa culasse factice permettant un accès au réglage du hop-up et de son loquet de verrouillage de couvre-culasse. On peut constater la quasi-absence de marquage à l'exception d'un numéro de série du logo Soul de chez ASP. Sa crosse en polymère légèrement voûtée permet une pose rapide à l'épaule et donne un accès à la vis de réglage du moteur. Puis on termine par son mag métal et plastique ICAP 120 billes, les autres chargeurs SVD AEG seront également compatibles. Donc on se retrouve pour le démontage de la gearbox et le détail interne. Donc la gearbox est assez atypique puisque vous allez pouvoir le constater, il y a 4 engrenage interne, donc pour pouvoir entraîner ces 4 engrenages et ce rosseur qui est assez puissant puisqu'on atteint quand même les 450 fps, ce sera donc un moteur high torque, donc assez résistant au fonctionnement rien qu'à la main. Ensuite on a un guide ressort sur roulement métal, un piston et sa tête de piston en polycarbonate, dents polycarbonate, les deux dernières dents métal avec un joint basique au niveau de la tête de piston. La gearbox est équipée aussi d'un cylindre plein, une tête de cylindre polycarbonate, un nozzle en plastique, un tapered plate plastique, et donc les gears seront montés sur des bushings basiques. Et il faudra aussi constater une petite présence de graisse verte à l'intérieur de la gear. Donc ça, c'est pas trop important au niveau de la quantité de graisse. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour cette gearbox. Alors je pense que la première partie que les joueurs choisiront de changer sera probablement le ressort puisqu'on atteint quand même les 450 fps. Et le piston et la tête de piston qui seront certainement à changer puisque
ce type de, matériaux ne dure pas trop dans, dans le temps. Donc je pense que ça sera peut-être une possibilité de, d'upgrade par la suite. Donc vous aurez quand même un guidrosseur, lui, qui sera sur roulement. Donc ça, c'est une bonne chose également. Donc cette gearbox a aussi une petite particularité puisqu'il y a l'absence de détente, puisque celle-ci va être déportée au niveau de l'avant de la réplique puisque c'est un système bullpup. Donc la détente est absente. Vous avez un système de mécanisme engrenage externe à la gearbox qui permettent d'entraîner cet élément pour activer chaque tir. Elle reçoit un canon interne en 6,03 de 690 mm monté sur un bloc pop métal à molette, plus agréable à régler que la version à tirette. On va faire un petit coup de foule. Donc là, le résultat à 25 mètres, il est concluant puisque la totalité des billes sont arrivées dans la cible de 20 cm par 20. À 25 mètres, c'est un très bon résultat. On peut dire aussi qu'en mode full, les résultats sont assez convenables puisque la totalité des billes sont arrivées aussi dans cette cible. Donc c'est un résultat très agréable pour cette réplique. Donc on passe au test sur mannequin à 60 mètres, on vise 0,25. Batterie d'origine 8,4 volts en IMH. On y va tout de suite. On va faire un test en full. Alors, par contre, sur cette distance-là, je ne m'attends pas à des performances impressionnantes. Quoique, on va voir. Donc là, pour le résultat à 60 mètres en vis 0,25, on a une perte de précision, il faut s'y attendre un petit peu à cette distance-là.
Mais on arrive quand même à 60 mètres et on touche le mannequin quasiment sur les parties les plus intéressantes comme le buste. Donc c'est très intéressant que ça soit en semi puisqu'on a vu que Lévi touchait quand même le mannequin à cette distance là, mais aussi en full. Voilà, on a quand même eu un groupement de billes assez intéressant pour cette réplique. Donc c'est un très bon résultat. Voici l'arrivée de la SVU AS AEG Bullpup Soul de chez Airsoft Pioneer Limited terminée. Je remercie Yannick et toute son équipe pour m'avoir permis de vous proposer ce produit. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review de notre partenaire ASP dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux produits Airsoft Pioneer Limited, alors restez connectés. Je vous dis à très bientôt, bye bye.